S'il y a un groupe de personnes avec lequel il ne faut pas s'embêter, ce sont les momies prétendument maudites qui ont été enterrées pendant des milliers d'années. Au cours de l'histoire, les archéologues ont fait des découvertes de momies qui les ont même effrayées, et en voici quelques-unes. Numéro 10, Lady Rai. L'une des choses les plus effrayantes à propos des momies est qu'elles sont réelles. Il ne s'agit pas seulement d'une œuvre d'art, mais d'un ancien être vivant. C'est presque surréaliste de voir quelqu'un qui a vécu il y a des milliers d'années dans un tel état. L'une des plus anciennes momies de l'Égypte ancienne appartient à une femme que l'on surnomme désormais Lady Rai. Lady Rai avait entre 30 et 40 ans lorsqu'elle est morte, vers 1530 avant Jésus-Christ, elle était apparemment la nourrice d'une ancienne reine égyptienne. Ce qui est incroyable avec cette momie, c'est que ses cheveux sont presque parfaitement conservés à ce jour, ses cheveux ont des milliers d'années. Lady Rai est le premier humain connu à avoir souffert d'athérosclérose, une maladie dans laquelle une plaque peut s'accumuler autour des parois des artères, réduisant le flux sanguin et provoquant potentiellement des caillots sanguins. Numéro 9, Ramsès II. Ramsès II était l'un des dirigeants les plus emblématiques de l'Égypte ancienne. Il est l'un des plus anciens souverains de l'Égypte ancienne, ayant vécu jusqu'à 90 ans, à une époque où vous auriez de la chance de voir votre 40e anniversaire, et on pense qu'il a engendré plus de 100 enfants. Sa momie a été découverte en 1881 par des archéologues qui ont été choqués par son aspect royal. On aurait presque dit que la momie exerçait toujours un pouvoir illimité comme il l'a fait pendant son règne. En 1974, l'état de la momie s'est rapidement détérioré et il a été décidé de l'envoyer à Paris pour y être soigné. Ramsès II reçoit un passeport égyptien pour se rendre en France et sa profession est indiquée comme roi décédé. Lorsque la momie est arrivée à Paris, elle a reçu tous les honneurs militaires qui sont habituellement réservés aux membres de la famille royale qui arrivent en France jusqu'à ce jour. Numéro 8, le roi Toutankhamon. Le roi Toutankhamon était l'un des plus jeunes souverains d'Égypte, ayant accédé au pouvoir suprême à l'âge de 9 ans. Le roi Toutankhamon n'était pas très important par rapport aux autres souverains égyptiens lorsqu'il régnait, mais lorsque sa momie a été découverte dans la vallée des rois en 1922, il est devenu un nom familier. Sa tombe était l'une des plus extravagantes que les archéologues aient jamais vues, toutes sortes de trésors et de bijoux anciens y ont été découverts. Son masque funéraire était incroyablement détaillé et fait d'or massif. Le roi Toutankhamon est probablement plus célèbre pour avoir déclenché la malédiction de la momie. L'ouverture d'une tombe égyptienne ancienne est censée jeter une malédiction sur celui qui l'ouvre. Le financier du projet d'ouverture de la tombe du roi Toutankhamon, Lord Carnarvon, est mort quelques jours après l'ouverture de sa tombe, à cause d'une piqûre de moustique. Numéro 7, la momie de crocodile. Le crocodile était un animal vénéré dans l'Égypte ancienne, en raison de sa force et de sa méchanceté. Le crocodile du Nil est l'une des plus grandes espèces de crocodile au monde, ainsi que l'une des plus mortelles, et les anciens Égyptiens allaient même jusqu'à momifier ces crocodiles. On pense que ces momies étaient utilisées pour symboliser l'ancienne divinité égyptienne connue sous le nom de Sobek, qui était généralement représenté avec la tête d'un crocodile. Les crocodiles étaient également considérés comme un symbole de fertilité et de rapidité par les anciens Égyptiens. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que les anciens Égyptiens ont recyclé des bouts de papyrus sur lesquels ils avaient précédemment écrit pour rembourrer les animaux, ce qui a permis de découvrir des textes anciens jamais vus auparavant après la découverte initiale de ces crocodiles. Numéro 6, la momie de gazelle. Les crocodiles n'étaient pas les seuls animaux à être momifiés par les Égyptiens de l'Antiquité. L'un des exemples les mieux préservés d'animaux momifiés de l'Égypte ancienne est cette gazelle de la dernière période de la civilisation égyptienne. Cette gazelle était l'animal de compagnie d'une ancienne reine, et un animal fidèle. Les archéologues ont été choqués de voir le soin avec lequel cette gazelle a été préservée, elle a reçu le même traitement que celui que l'on attendrait d'une momie appartenant à un grand roi ou à une reine, et a reçu une sépulture royale qui n'est pas différente de celle d'un humain. Cela montre l'importance que les animaux avaient dans l'ancien empire égyptien. Numéro 5, la momie recouverte de boue. La plupart des anciennes momies égyptiennes étaient recouvertes d'une épaisse coque en résine pour les protéger des dommages du temps, cependant, des chercheurs australiens ont été choqués lorsqu'ils ont trouvé une momie recouverte d'une épaisse couche de boue dans le sud de l'Égypte. La boue était peu coûteuse, alors que la résine n'était accessible qu'aux super riches. Cette momie particulière montre que même les roturiers égyptiens étaient inspirés par les momies des rois et qu'ils essayaient d'imiter leur style en utilisant les ressources dont ils disposaient. Cette momie particulière est celle d'une femme d'une vingtaine d'années qui a été placée dans ce cercueil bien après sa mort. Numéro 4, les momies d'enfants. Il y a eu pas mal d'enfants qui ont reçu le traitement de momification après leur mort dans l'Égypte ancienne.
La plupart de ses enfants étaient ceux de rois et de reines, morts prématurément à cause des diverses maladies que l'on ne savait pas traiter à l'époque. Dans certains cas, même des fœtus ont été momifiés. En 2021, les archéologues ont même annoncé la découverte d'une momie enceinte avec un enfant en elle. C'était le premier exemple connu d'une momie enceinte jamais trouvée. Numéro 3. Une momie avec des tatouages. Les tatouages peuvent être une sorte de déclaration de mode au XXIe siècle, en particulier dans le monde occidental, mais pour les tribus et les religions à travers l'histoire, c'était une tradition assez importante, et dans certains cas, obligatoire. Sur le site de Deir el-Médina en Égypte, les archéologues ont été surpris de trouver cette femme momifiée qui avait des tatouages sur tout le corps. L'une d'entre elles avait plus de 30 tatouages sur le corps, soit plus que ce qu'ils ont jamais trouvé sur une momie. On pense que les tatouages avaient une certaine signification dans l'Égypte ancienne, mais nous ne savons pas vraiment laquelle, car avant ces momies, seuls 6 autres avaient été trouvés tatoués. Les momies trouvées à Deir el-Médina étaient des artisans qui travaillaient sur divers projets artistiques dans la région, et leurs tatouages pourraient être un symbole de leur expression artistique. Numéro 2. Les momies Chinchorro. Les momies font partie des aspects les plus emblématiques de la civilisation égyptienne ancienne, mais toutes les momies ne proviennent pas de l'Égypte ancienne. En fait, certaines des plus anciennes momies du monde sont les momies Chinchorro, qui ont été trouvées dans le nord du Chili et le sud du Pérou. Ces momies étaient loin d'être aussi richement décorées ou aussi bien conservées que leurs homologues égyptiennes, mais elles datent de 7020 avant Jésus-Christ, à l'époque où la civilisation égyptienne n'existait même pas. Certaines d'entre elles ont été momifiées naturellement, tandis que plus tard, elles ont été soigneusement conservées comme l'étaient les anciens Égyptiens. Parmi ces momies, il y avait des enfants, des hommes, des femmes et à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Au total, 282 momies ont été trouvées dans la région après la découverte initiale en 1917. Les Chinchorro ont commencé à momifier artificiellement leurs morts vers 5000 avant Jésus-Christ, soit 2000 ans avant que les anciens Égyptiens ne s'emparent de cette idée. Cela montre également à quel point nous connaissions peu de choses sur le nouveau monde de l'hémisphère occidental, et qu'il n'est pas si nouveau après tout. Numéro 1. Hatshepsut. Hatshepsut était le cinquième pharaon de la 18e dynastie égyptienne ancienne. Elle est considérée comme l'une des femmes les plus puissantes de l'histoire, la monarque égyptienne la plus prospère et l'un des souverains les plus prolifiques d'Égypte. Certains ont qualifié Hatshepsut de plus grande femme de l'histoire, mais malgré son importance, nous ne savions même pas où elle était enterrée jusqu'à très récemment. On a toujours supposé qu'Hatshepsut était enterrée quelque part dans la vallée des rois, près de Louxor. En effet, une tombe d'Hatshepsut a été découverte au début du XXe siècle, mais lorsqu'on a ouvert le cercueil portant son nom, ainsi que celui de son père, ils sont tous deux ressortis vides. Quelques années plus tard, une autre tombe nommée KV-60 a été ouverte, à l'intérieur de laquelle se trouvaient deux cercueils, l'un contenant les restes d'oies momifiés, et l'autre une femme nommée Satré, la nourrice d'Hatshepsut, qui était remarquable en tant que momie pour avoir des dents particulièrement mauvaises. C'était en 1902, et pendant 100 ans, nous n'avions aucune idée de l'endroit où se trouvait Hatshepsut. Mais 100 ans plus tard, toujours à la recherche de la momie, des archéologues ont décidé d'ouvrir une boîte contenant plusieurs de ses effets personnels, parmi lesquels se trouvait une dent qu'elle avait perdue. Cela a immédiatement alerté les archéologues, qui se sont empressés de faire correspondre la dent avec la momie qu'ils avaient trouvée il y a 100 ans. Après avoir effectué un test ADN, ils ont conclu que la momie n'était pas la nourrice d'Hatshepsut, mais Hatshepsut elle-même.